tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo remplissage, alors juste de la première semaine d'août, ainsi que le remplissage des défis du mois. Et enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je voulais vous montrer ce qu'ont donné les économies du coup avec les défis de la semaine dernière. Alors je suis désolée s'il y a du bruit, on est jeudi premier, ouais c'est ça. Il y a mes enfants, ça peut faire du bruit, il est 17h20 je crois, donc voilà. Donc là par rapport aux économies, donc voilà. Donc le mini challenge, on a 80€ dedans, le défi mystère 211, la ruée vers l'or 250, le Made with Love 280, 2024 170, jour férié 90, pleine lune 70, Zodiac 95, semestre 20€, Princesse 125, Marion 50, Jenny 50, puisque tout ça, ça a été vidé fin de mois dernier. 5€ 185, 689€ 86€, le 650€ 60€, défi impair 40€, le tout un fort 25€, le Monopoly 117, le trimestre 281, le pas à pas qu'on a fini à 310, l'ancêtre des 35, prénom 126, le signe astro 30 et les cartes défis 351€. Donc tout ça, on est sur un total dans les défis à 3136€. Donc au total, donc autant dire qu'on est plutôt pas mal. Donc comme d'hab, hein, pour les sceptiques de la méthode des enveloppes, je pense que ça parle. J'ai un billet qui s'est fait la main. Ça parle d'eux-mêmes, les résultats. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Allez, on y va. Donc, juste la première semaine d'août, puisqu'on part en vacances. Là, on est déjà jeudi, on part en vacances vendredi. Je vous fais le bilan jeudi prochain. Donc ça fait vraiment une semaine pile poil. Donc je suis à 120€ sur l'alimentation. J'ai pas fait les 30€ de plus de viande. Je préfère qu'on utilise ce qu'on a dans notre congé, qu'on vide au maximum. Et voilà. J'ai des courses à faire, hein, des petites courses, mais bon, je suis pas sûre j'en fasse énormément puisque je vide au maximum. D'hiver, on est à 10. Loisirs, bah, comme d'hab, nos 40€. Santé, 10€, d'habitude. Et fonds de secours, 10€. Voilà, donc ça c'est bon. Pour le reste du mois, enfin, les autres enveloppes. Alors, le reste du budget. Tout ça, je mets rien. Je remplirai au retour, hein, enfin, pendant mes vacances, puisque c'est la dernière semaine qu'on revient. Mon homme, je lui mets quand même ses 20€. Je lui donnerai, je pense, ce week-end. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et c'est 30€ pour la moto. Bah. Hop, ça, c'est bon. Si je dis pas de bêtises... Extra, j'ai rien prévu. Cigarette, ça a déjà été fait. Perso, j'ai rien prévu. Essence, je mets 300€ de budget ce mois-ci. Entre les vacances et la route qu'on a à faire. Non, pardon, c'est 400 même. Mince, août. Donc, on est sur un budget de 400€ d'essence. Voilà. Parking. Il y a juste la semaine prochaine. Donc ça fait deux fois, donc ça fait 20€. On va mettre 20€ à peine. Ouais, je vais mettre 20€ quand même. Août. Dépôt. Plus 20. 20€. Et achat internet, il n'y a pas de budget ce mois-ci. Voilà. Mon mari, je lui mets rien. Et mes enfants, je leur ai déjà mis leurs 20€ chacun. Donc ça, c'est bon. Donc remplissage qui était assez rapide, comme vous pouvez le voir. Et donc le reste, c'est pour le remplissage des défis. Donc il y a 150,
170, 190, 200, 250, c'est bien ce que j'avais calculé. Donc il y a 250 euros à mettre dans les défis. On est plutôt pas mal ce mois-ci. Hop. Alors, je vais peut-être casser, essayer de casser un peu les billets de 50, ce serait pas mal. Bon, on va regarder. Non, pour commencer, je vais faire tout de suite le défi flash. Comme ça, ce sera fait pour cette première semaine. Mine de rien, je vais quand même le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Comment allons-nous être mangés? Allez, c'est parti. La 3. 3, c'est épargne 20 euros. Je vais prendre les 20 euros de fonds de secours et d'hiver. D'hiver et fonds de secours. Voilà. Donc lui, je le range, c'est bon, j'en ai plus besoin. Donc ça, c'est good. Allez, on attaque l'autre classeur. Le mini challenge budget. C'était 5 euros. Ah bah écoutez, là il y avait 5 et là il y avait 15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ça et je vais mettre un billet de 20 pour les deux mois. Voilà, et comme ça je peux mettre 5 euros dans celui-ci. Comme ça, si j'ai besoin d'un billet de 5 dans un autre défi, je l'aurai. Donc ça, c'est fait. Parfait. Allez, on attaque le reste. Donc, les défis mensuels. Le défi mystère. J'avais pas vu, mais on a oublié de mettre les 1 euro courant de mois qui manquait. On va essayer de les mettre là en fonction de ce qu'on va gratter. J'ai pas pris de pièces. Alors, au mois d'août, qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc, ben 28 euros plus 1, ça fait 29. Et ça tombe bien, j'ai 1 euro à récupérer. Donc, je vais y mettre 30. Ouais, j'ai pas de... Tant pis, donc ça, je récupère. Et je mets ça. Voilà, comme ça, on est bon. Le compte est bon. Voilà. Donc ça c'est good. Bon mais il ne restera plus que la dernière pastille à faire. Et ça c'est top. Enfin top et pas top parce que ça voudra dire qu'on arrive déjà à la fin de l'année. Ruée vers l'or. Alors attention. Hop. Je vais me mettre là. Oh, déjà j'ai de la monnaie dans celui-là. Bon écoutez, on va continuer. Hein. Je vais faire dans l'ordre. Bon, j'ai triché, j'ai décollé directement la pastille, et ben c'est beaucoup plus pratique. Du coup, c'est 25 euros. Ça tombe bien. Donc, j'ai dit que j'allais récupérer. Alors, attendez, je vais juste remettre ça dedans. Voilà. Donc, je fais de la monnaie, et après, je récupère. Donc, je récupère, hop, 20, 40 et 50. Et je mets un billet de 50 à la place. Voilà. Et du coup, on a dit, bah écoutez, j'ai même encore 50 là. Hop, voilà. Donc ça, ça me casse mes billets de 50. C'est pas plus mal. Donc il y a bien 250 euros dedans. Et on met 25. Donc 20. Et 5. Donc sur 390, on en est à 275 et il reste 3 cases. 390 moins 275, 115 euros si je divise par 3. Ouais, ça fait encore des grosses cases. Hein. Ok, ça c'est good. Ensuite, une petite enveloppe.
Choisis une enveloppe. Attends, je te montre. Tu veux laquelle? La première là? Ok, merci. Main innocente ou pas. Quarante-trois. Je vais regarder où est-ce qu'on en était dans les plus, les moins. Et dans ce cas-là, je vais peut-être même arrondir à 50 dans celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je regarde les autres. Hop. Alors, dans la première, dans celle-ci 40, on était bien à 40. Celle-ci, on était à plus 2. Donc 2. Là, on était à moins 1. Donc il y a toujours 1 de plus. Là, on était à moins 2. Il manque 1 euro. Là, on était à moins 3. Donc 4 euros. Là, on était à 0. Et là, on était à plus 1. Donc, il y aurait une différence de 3 euros. Et là, si je mets... si je mets 50, il y aurait une différence de 7. Il y aurait 4 euros en plus. Bah écoutez, on va mettre 50. Comme ça, on aura 7 d'avance. Et ça me permet... de rattraper mon retard dans celui-là. Hop. Je vais le noter dessus pour me souvenir. Donc on a dit plus 7. Nickel. Bon, je vais ranger tout mon bazar. Je sais pas si je les referai l'année prochaine, si je rachète des pastilles, je sais pas. Pas du tout encore comment je vais m'organiser. Ça, c'est good. Donc, le 2024. Bah, comme d'hab, j'ai pas de monnaie. Donc, on va au moins mettre les 20 euros. Et si je récupère de la monnaie, je mettrai les 4 euros. Donc, hop. Donc, on va mettre moins... 4. Donc on en est à 190. Et du coup, on est en août. Non, septembre. Dépôt. Plus 1. Et 190 euros. Voilà, ça c'est fait. Jour férié, on a le 15 août pendant le mois d'août. Évidemment, 15 août pendant le mois d'août. Mais bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Évidemment, c'est encore 5. 15 euros. je vais voir si j'arrive pas à trouver de billets de 5. Je crois que j'ai un défi, mais il y en a. Très bien. Prénom, prénom, prénom. Prénom, prénom. Yes. Hop. Je vais faire ça. Voilà. Je garde ça. Août. Donc le 15 août, on a dit plus 15. 105. Ça y est, on a passé les 100 euros. Septembre, il n'y en a pas. Octobre, il n'y en a pas. Novembre, il y en a 2. Et après, il y a Noël. Donc il en reste 3. Après, je vais la ranger. La pleine lune, bien sûr, toujours nos 10 euros. Voilà. Hop. Donc, août, dépôt,
plus 10, 80. Je récupère le billet de 10, je mets un billet de 20 et je coche ma case. Août, du coup, ce sera le 19 août. Là, c'est pareil, il en reste 4. Donc, ça fera un défi à 120 euros. Ah, c'est pas des gros défis, mais cumuler les uns avec les autres, bah, du coup, ça commence à faire une sacrée personne. Le Zodiac, non. On le fera au courant du mois, puisque la Vierge, c'est qu'à partir du 23 août. Et il me reste donc jour de chance et les princesses. Il me reste, là j'ai 40, 80, on est pas mal, 90, 95, on est pas mal. Je vais faire une princesse, je reviens sur jour de chance après, je vais d'abord faire Elsa. Parce que je me méfie avec Linda, avec les montants qu'elle peut mettre. Ah ça va, je crois que c'est 10. Ouais, Elsa, 10 euros. Hop. Donc, c'est quoi? Je vais faire la suivante qui est. Je sais pas qui c'est. C'est qui? Ça va être Acha. Acha? Déjà? J'avais pas l'impression qu'elle était déjà sortie au moment où le défi a été fait. Pardon. Bon, donc on va. Je les ai mis les 10 euros. Mince, je sais plus. J'étais à 125. 100. Non, je les ai pas mis. Bon, je vais les mettre tout de suite avant d'oublier. Et je vais gratter l'autre. Donc j'ai récupéré 10, j'ai mis 1. Et donc, achat. Ça m'étonne. Mais c'est possible. Et c'est 25, je crois. Ou 15. 25. Bon, bah, je récupère le billet 5. Et on met 30. Voilà. Bon, bah, c'est bien comme ça. On a de l'avance sur les princesses, puisqu'on a fait la 9. Il reste 10, 11, 12. Celui-ci, il monte bien. Les billets de 5, je vais les garder pour le défi 5 euros. Et là, il me reste du coup 50 euros que je vais mettre dans le défi jour de chance. Voilà, comme ça, on ne l'a pas fait le mois dernier parce qu'on n'a pas pu. Au moins, je le booste bien ce mois-ci. Alors, j'ai dit 50. Il n'y a pas de case à 50. Donc là, il y a 20. Et bah, du coup, 50. Donc, plus les 20 qu'il y avait, ça fait 70. Voilà. Bon, bah écoutez, on a tout mis dans les défis. Je vais juste rajouter mes deux billets de 5 dans mon défi 5 euros. Et si je dis pas de bêtises, on est à 195. Il m'en manquera un pour avoir les 200. Ah oui, il y a la pièce de 1 aussi. Je vais la mettre dans mon porte-monnaie. Je sais pas si je vais la mettre dans mon porte-monnaie ou pas. Bon, déjà les billets de 5. Hop, on les rajoute aux autres. 90 et 95. Ça, c'est good. Et les 1 euro, vous savez quoi? Je vais les mettre dans les cartes défi. Hop. Donc j'ai sorti celle de Blush et celle de Betty pour août, sachant que celle-ci, je ne les emmène pas en vacances. Voilà, ça, je vais repartir à zéro. Donc je prends jusqu'à juillet. Par contre, celle-ci, j'aimerais bien la finir jusqu'à la semaine, enfin, d'ici la semaine prochaine pour pouvoir l'emmener avec nous en vacances. Comme ça, on sera à jour aussi. Donc bah, 1 euro, hop, voilà. Je n'ai pas sorti ma tirelire, je mettrai après dedans. Voilà, c'est bon, tout est bon.
Bon, bah écoutez, le remplissage a été rapide, hein, ça c'était sûr, avec une seule semaine de budget. C'était sûr que ce soit rapide. Je ne sais pas encore s'il y aura une semaine de budget en fin de mois ou pas, parce que normalement on va chez ma mère. Donc autant dire que les vacances chez ma mère, voilà, on ne paye rien. Encore à reconfirmer. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Des bisous.